Donc mon projet, c'est la maison de santé augmentée, qui est un projet médical qui se situe dans un des quartiers populaires du sud de l'agglomération de Manchester. Donc cette maison de santé, elle s'installe dans un quartier qui est défavorisé au niveau de l'accès aux soins et où le constat médical était désastreux. C'est un édifice qui est médical au départ, mais dans une volonté de prendre la santé dans son état le plus global, c'est-à-dire de répondre au bien-être à la fois physique évidemment, mais aussi mental et social. Ce projet, il est augmenté, il est amélioré avec d'autres programmes dont le but est de favoriser les échanges entre les habitants, de les pousser à pratiquer du sport, même dans ce climat capricieux de l'Angleterre, de se retrouver, de discuter, aux associations du quartier de pouvoir organiser des événements festifs, ludiques, éducatif ou sportif, et dans le but en fait de prévenir des maladies plutôt que de faire seulement guérir. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le projet de la maison de santé augmentée. Le béton, ça a été un choix qui est venu assez naturellement dès le départ, d'abord pour répondre à des questions forcément techniques, on va dire, et en lien avec le critère économique qui était attaché à ce programme dès le départ. J'ai mis au point un béton de briques pilées qui est inspiré des travaux d'Hervé Baudouin, qui cela permet à la fois d'utiliser une ressource locale qui est un déchet, ça permet aussi de minimiser la place du sable et des graviers dans les bétons. Puis surtout, ça permet à cette nouvelle matière de se fondre beaucoup mieux dans ce décor monochrome de Moss Side.